ne manquez plus aucune émission. Voilà. Forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, malgré la bonne foi et la volonté de Son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi de trouver des solutions concertées dans la guerre d'agression imposée par le Rwanda à notre pays, les forces de défense du Rwanda, sous les couverts du M23, ont lancé depuis jeudi le 20 octobre 2022 des attaques sur les positions des FARDC sur l'axe Rangira-Rwangouba-Tchengerero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de cet important tronçon routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Kamugenga, où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fronts. Ces attaques ont mis fin à la calmie qui s'observait dans le théâtre des opérations, provoquer des morts inutiles et entraîner la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats. Au total, un civil a été fauché par les bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans l'axe Rangira-Rwangouba-Tchengerero. Dans l'axe Tamugenga, 3 civils ont été tués et 35 autres blessés, dont les enfants, à Nyabikoro, près de l'hôpital. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au Ne manquez plus aucune émission. Voilà.